Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le vlogmas numéro 22. Je sors à l'instant du travail, il est 20h et je vous avais promis de vous refaire cette fameuse vidéo où on regardait les décorations que les gens un peu avaient fait chez eux. Donc là je me suis arrêtée dans un petit coin parce que j'ai vu de loin des trucs qui scintillaient. Donc écoutez, on va regarder ça, on va noter ensemble comment on avait fait l'année dernière. Franchement j'avais trop aimé, je voulais trop vous le refaire cette année. J'ai repéré quelques trucs, donc écoutez, là je me suis arrêtée dans un petit endroit. Franchement j'aime pas trop être seule quand même la nuit comme ça et tout, parce que les gens ça fait flipper quoi. Ils vont se dire qu'est-ce qu'elle a, elle a regardé chez nous, mais en même temps ils ont fait ça c'est pour qu'on regarde, non? Bon allez, let's go, on y va. On a un petit balcon ici bien mignon, joli comme tout, mais c'est simple. Là on a une jolie guirlande décorée. Le balcon que j'ai repéré c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez bien avec le traîneau qui s'envole et tout, je trouve ça trop beau. Il est beau celui-là. Je vous le montre un peu plus loin, celui-là il est trop joli. Je mettrais bien un 8 sur 10, trop joli pour un balcon. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là je suis revenue sur la maison de l'année dernière et oh my god, je crois qu'ils ont rajouté encore des trucs de fou parce que c'est juste waouh. Waouh et waouh. Donc je me suis garée un peu en biais devant chez eux, mais j'ai l'impression que tout est fermé, donc je vais essayer de faire quelques prises. Je vous garantis rien, j'espère que je vais pas me faire griller ou autre, mais au pire je leur dirai que c'est beau ce qu'ils ont fait. J'ai toujours la trouille à chaque fois. Regardez-moi ça, trop joli, trop mignon. Je m'approche parce qu'on dirait qu'il y a personne. Vous avez vu comme c'est beau? My God. Et même le petit pot de fleurs et tout devant, il est éclairé quoi, c'est magnifique chez eux. Du coup c'est aussi beau que l'année dernière, même encore mieux il me semble. J'ai essayé de vous faire un petit peu plus de prise que l'année dernière. L'année dernière j'avais vraiment peur de tomber sur les gens parce qu'en fait les volets étaient ouverts, alors que là j'ai l'impression qu'il n'y a personne et ça reste définitivement quand même mon coup de cœur de mon quartier. Elle est trop 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 belle, on se sent vraiment dans la féerie de Noël. J'ai repéré quelques balcons aussi sur le côté là-bas, donc on reprend la voiture et on va voir les autres. Allez, pour le plaisir des yeux, je vous remontre un petit coup avant de partir à travers le portail. Trop beau! Alors là, cette petite maison, c'est tout simple mais c'est super mignon. Voilà, une petite guirlande, joyeuse fête. Voilà, simple mais efficace, il y a une petite étoile filante en haut. Très chou. Bon, je reste dans la voiture, mais j'ai trouvé trois jolis balcons, dont celui-ci, avec écrit aussi joyeuse fête, des guirlandes. Je trouve ça chouette de décorer quand même. Donc voilà, ça reste simple. Par contre, j'ai repéré deux balcons à côté et il y en a un qui me fait vraiment de l'œil. Donc je vais essayer de me rapprocher en étant discrète. Donc, deuxième balcon est plutôt chouette, c'est celui-là. Il est vraiment sympathique celui-ci, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à commenter à chaque fois. Bon, les balcons étaient vraiment sympas, mais est-ce que vous voulez voir deux balcons qui envoient quand même du lourd? C'est mes deux coups de cœur pour les balcons décorés que j'ai vus pour l'instant. Faut trop que je vous montre. Mais ça fait trop flag. En plus, il y a des gens sur les balcons et tout, ça me fait flipper. Donc, c'est-à-dire, elle est en train de m'espionner, ma fille. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est une détective privée ou quoi? Ah non, je suis pliée. Chaque année, ça me fait une drôle de sensation de faire ça, mais en même temps, c'est trop bien, quoi. Bon, écoutez, je vais essayer de me rapprocher du balcon que j'aime. Mais je crois que je vais rester garée. Elle est à pied, style de rien. On essaye. J'ai trop peur. En plus, il pleut des fines gouttes. Il commence à faire froid. Bon, on essaye. C'est trop joli. Celui-là, il est vraiment canon avec les petits lutins qui sont en train de faire de la balançoire. Là. Oh, je valide total. C'est mon préféré pour l'instant. Hormis la maison que je vous ai montrée, mais c'est trop chou. Ah, oh, les petits lutins, c'est trop mignon. J'adore. Est-ce que vous êtes prêts à voir un autre balcon vraiment sympa? On y va. Ah, celui-là, il est impressionnant. Il y a aussi des lutins, mais celui-là, il ne bouge pas. Mais magnifique, celui-là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est mon préféré des balcons, celui-là aussi. J'adore, 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 j'adore. En fait, tous les balcons que je vous ai montrés, il y en a un là, un là, un là. C'est tous dans le même quartier. C'est trop joli. Je me suis mis le chauffage, je suis retournée dans la voiture parce qu'il fait vraiment pas chaud du tout. Je me gèle les amis, je me gèle. Ce qui est dérangeant c'est qu'il y a une pluie fine, mais très très fine qui tombe là et ça glace le visage. Je vous mens pas, mon pare-brise a plein de petites fines gouttes. Donc j'ai mis le chauffage, je vais voir si sur ma route en rentrant chez moi il y a encore des décorations, je m'arrête. Sinon voilà, comme je vous ai dit, de toute façon les décorations en France, il y en a qui prennent le temps de les décorer, il y en a qui prennent pas le temps du tout, il y en a qui s'en foutent. Le peu déjà qui
s'investit. Je trouve que ça fait plaisir aux yeux. Donc j'imagine même pas dans d'autres pays où ils fêtent Noël encore plus que nous. Voilà, bah écoutez, on continue le chemin. Bon, là, je viens d'arriver dans mon garage. Je suis capoute, les amis, parce qu'après ma journée de boulot, j'ai rien trouvé d'autre, franchement, aux alentours après. Donc voilà, on reste là-dessus. C'est déjà pas mal, comme je vous le disais. C'est pas donné à tout le monde de décorer son balcon, sa maison, plus l'extérieur, plus le jardin. Donc voilà, mais c'est cool quand même d'en voir, puisqu'on en prend quand même plein les yeux et on retombe de suite en enfance. Moi, dès que je vois des lumières et tout ça, bah, je trouve ça trop beau. Et juste pour vous dire que, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, pourquoi tu n'as pas décoré ton jardin cette année? Et effectivement, mais je vous avais dit qu'on avait eu une inondation et une tempête le 23 octobre et depuis ma prise extérieure ne fonctionne plus. Elle a fait disjoncter toutes mes prises à l'intérieur, enfin une dizaine de prises chez moi. Mon assurance s'est déplacée pour constater et en fait c'était bien la prise extérieure qui avait tout fait disjoncter les prises à l'intérieur et en gros bah, elle avait pris l'eau donc voilà, super. Alors qu'elle avait un cache waterproof et tout, mais elle a quand même réussi. Bah à prendre l'eau, donc un peu deg, donc c'est toujours en cours, c'est toujours pas réparé. Je suis toujours dans l'attente et je peux pas décorer mon jardin cette année pour Noël. Je suis bien deg. Bon allez, je rentre parce que j'ai faim. Je suis rentrée, je mange salade de thon vinaigrette avec de la badoie là, la menthe, c'est trop bon. Devant le match OM Nîmes, voilà. Oulala, ils ont failli marquer. Bref, voilà, bon appétit. Alors c'est parti pour ouvrir le calendrier de l'Avent Jiffy. Donc le numéro 22, il est là. Oh non, mais je comprends pas moi ce qui se passe, hein. Y a rien dans les cases. Non, mais ça fait trois fois, ça me refait la même. Y a rien dans les cases, c'est une blague. C'est une plaisanterie titanesque. Wow, c'est tombé en dessous carrément, j'en sais rien. Alors pour les calendriers de l'Avent chocolat, le numéro 22, où est-il? Bah de toute façon il n'en reste pas beaucoup des cases, donc on devrait le trouver vite. Il est là juste en haut, alors qu'est-ce qu'on a? Oui, un petit ours en chocolat. Ensuite le Toblerone numéro 22, il est juste ici. C'est un Toblerone au chocolat noir. Pour The Body Shop, le numéro 22, c'est la grosse case qui est là, là dans le coin. Alors je vous laisse lire et on ouvre... Oh oh oh! Ça, c'est une crème de jour apaisante à l'aloe. Ah, ça, ça doit être dingue. Je pense que toi, tu vas aimer, maman. Et pour le calendrier de l'Avent, Yves Rocher, le numéro 22, il est juste en haut ici. Oh, c'est un peu lourd quand même. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai failli faire tomber. My god. C'est un vernis un peu bordeaux pour les fêtes. Ça, c'est splendide. Ça fait toujours chic et classe, je trouve, cette couleur. Alors, j'ai reçu également un colis que le chéri a été me chercher aujourd'hui vu que je travaillais. Et ça doit être le cadeau pour mon frère. Donc, je vais l'ouvrir. Mais je pense pas que je vais vous montrer. On sait jamais s'il regarde. Je suis rentrée à temps. C'est le déluge. Heureusement que je suis rentrée, hein. Bon, j'espère que ce vlog n'aura pas été trop court parce que voilà, quand je sors du travail et j'essaie quand même de faire un vlog malgré que je travaille, c'est pas évident comme je vous ai dit vu que j'ai des grosses journées. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vais me coucher, il est déjà minuit parce que le temps de faire les montages et tout ça, ben voilà, ça prend du temps. Et je me relève demain vu que je travaille encore, je travaille là jusqu'à Noël donc ça va être compliqué, je travaille pas le 24-25. Heureusement cette année je travaille pas pour Noël, c'est cool, mais du coup ben, je travaille 3 jours avant le week-end et c'est hardcore pour filmer les vlogmas et tout ça. Voilà, bon je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite des vlogmas. À demain, bisous bisous. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.